Et à ça, on s'est retrouvés dans une boutique de piercing, tu t'en souviens? Bien sûr, comment je l'aurais oublié? Il nous a fallu une heure pour la convaincre qu'un anneau dans le nez n'ajouterait rien à son incomparable beauté naturelle. Soyez sans crainte. Cette fois, pas d'excentricité, c'est une bonne surprise. Le suspense a assez duré, vous pouvez enlever vos bandeaux. On y est! Tada! On est Hollywood Milkshake Palace, et alors? Clover, je vois pas où tu veux en venir, t'es en manque de protéines, t'as soif? Pas du tout, ça n'a rien à voir. Je suis là pour m'inscrire à un concours de beauté. Et vous, vous êtes là pour me soutenir. Tu veux devenir Miss Milkshake? J'espère que tu plaisantes. Tu sais bien que ce qui compte, c'est la beauté intérieure. Je suis tout à fait d'accord, mais je ne plaisante pas. Et d'ailleurs, en voyant les autres participantes, je me dis que j'ai toutes les chances de gagner. À ta place, je ne me réjouirai pas trop vite, Clover. Sache que je me présente aussi à ce concours et je suis bien décidée à gagner. Rien ni personne ne pourra m'empêcher d'être couronnée Miss Milkshake et de commencer une carrière de mannequin. Mets-toi bien ça dans la tête. Alors tu te vois sur les magazines? Exactement, et ça c'est dit tout vu parce que ça s'est toujours passé comme ça. Toutes les filles qui ont remporté ce titre sont devenues top modèles et j'ai bien l'intention de faire comme elles. Merci beaucoup, monsieur. Tu ferais mieux d'aller te cacher avec tes affreuses bottes en simili sky, je les trouve d'un mauvais goût. Moi, la seule chose que je trouve de mauvais goût, c'est ta mauvaise foi. Tu cherches des prétextes pour essayer de me décourager, mais tu perds ton temps. Allez, pousse-toi de mon chemin, tu me gênes. Venez, les filles, on va aller fêter ma victoire par anticipation. Tu rêves. Elle se prend pour qui, celle-là? Elle a un de ses culots? J'en reviens pas qu'elle ait laissé entendre que tu portais des chaussures de mauvais goût. Pourquoi pas un look ringard tant qu'elle y est? Pour nous changer les idées, quittons au plus vite le centre commercial et offrons-nous une séance de manucure. Ça nous calmera les nerfs. Tu es génial, Sam! J'ai sûrement trompé d'état, je me souvenais pas que le parking était aussi sombre. Non, on n'est pas au sous-sol, Alex. Enfin, pas au parking, à mon avis, on n'est même pas au centre commercial. Bonjour, mesdemoiselles. Jerry, on aurait dû s'en douter. Ah, moi aussi, je suis content de vous revoir. Permettez-moi de vous expliquer brièvement votre prochaine mission. Ben, je crois qu'on peut oublier la manucure. D'après l'information qui vient de nous parvenir, une douzaine de top modèles se sont littéralement envolés au cours de ces dernières 24 heures. Comment ça, envolés? Nous sommes en route pour New York, où se déroule un événement capital pour l'industrie du prêt-à-porter. La semaine de la mode. Votre mission sera d'infiltrer le milieu très fermé du mannequinat en vous faisant passer pour des journalistes. Grâce à cette couverture, nous devrons essayer d'éclaircir cette histoire d'enlèvement. Voilà, exactement. Faisons l'inventaire de vos gadgets. Cette fois, vous disposerez d'une ceinture bungee à magnétoresort en simili-peau de serpent, d'un gilet à la fois autogonflant et super gonflant, d'une bague protecteur d'hologramme, d'une paire de faux bottes en titane pour le cas où vous auriez à creuser un tunnel. Ce n'est pas une éventualité à écarter, hein. Et l'élément le plus sophistiqué, une paire de lentilles à rayon M. Un rayon M? Et il permet de voir à travers le métal. M, métal. Sur ce, je vous laisse. Bonne chance, les Spice, et à bientôt. On reste en contact. Toujours des contrôles de sécurité, mais à ce point-là, c'est ridicule. C'est probablement à cause des enlèvements. Ah!
C'est incroyable, il y a vraiment un monde fou. Ils sont tous venus voir la nouvelle star des top modèles. Elle s'appelle Gazelle. Gazelle? Oui, cette pèse vient à peine de débarquer dans le métier et elle nous a déjà volé la vedette dans tous les défilés. Le public n'en a plus que pour elle et les autres mannequins et moi, nous n'avons presque plus de travail. Mieux de la surveiller, Alex. T'as raison. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'enlever ses gants. Tiens, c'est bizarre. Quoi donc? La peau de ses mains et de ses bras est de différentes couleurs. De différentes couleurs? Tu veux dire comme si elle avait mal étalé son auto-bronzant? Non, de différentes couleurs dans le style patchwork comme la fiancée de Frankenstein. Elle est peut-être pas si parfaite que ça, après tout. Il faut voir ça de plus près. Allons faire un petit tour en coulisses. Rappelez-vous, on est censé être journaliste de mode. Soyez professionnel. C'est affreux. On ne doit pas avoir la même conception du mot professionnel, Clover. Bonjour, Gazelle. Je m'appelle Sam, je travaille pour le magazine Tendance Actuelle et je tenais à vous dire à quel point j'ai apprécié votre prestation. Merci, c'est très gentil, mais tout le mérite en revient à mon agent. Je lui dois absolument tout. J'ai eu de la chance, sans lui, je serais rien. Oui, sans elle, je ne serais rien non plus. Je suis Helmet de l'agence Physique Parfait. Je représente Gazelle. C'est grâce à elle que notre agence est devenue aussi célèbre. Vous recrutez des mannequins? Voilà, c'est ça. Donc vous allez pouvoir me dire si j'ai tout ce qu'il faut pour en devenir un? J'ai une théorie personnelle. Selon moi, tout le monde a quelque chose de parfait dans son physique. Chez vous, ce sont les jambes. Alors je peux faire carrière? J'ai l'étoffe d'un top modèle? Non, je n'irai pas jusque-là, désolé. Allons-nous-en, Gazelle. Tu as l'air si épuisé. Attendez, Gazelle! Vous avez perdu votre oreille? Oreille? J'ai envoyé l'oreille au laboratoire d'analyse du Whoop. Prochaine étape, il faut mener une enquête sérieuse sur l'agence Physique Parfait. L'agence Physique Parfait? Mais comment est-ce qu'ils ont osé? Avouez que c'est faire de la publicité mensongère que de se donner un nom pareil. Et ce Helmet, là, ce prétendu agent, c'est un incapable, un imposteur. Il ne sait pas voir le potentiel d'un mannequin en puissance quand il en croise un. Et comment tu le sais? Il peut dire ce qu'il veut, je suis absolument convaincue d'avoir tous les atouts nécessaires. Livraison spéciale. Hein? Un courrier, ça vient du Milkshake Palace de Beverly Hills. Génial, oh, c'est alors pour une bonne nouvelle? Je suis finaliste du concours Miss Milkshake, j'ai été sélectionnée! Oh, voilà la preuve irréfutable que je l'étoffe d'un mannequin! Arrête! Aïe! Qu'est-ce que t'as? Oh, rien, c'est pas grave, juste une petite égratignure. Encore heureux? On ne voudrait pas qu'il arrive quoi que ce soit de grave à notre futur prix de beauté. Dommage, mais on a eu raison d'essayer, même si c'était gonflé. Justement, en parlant de gonflé, tu pourrais me libérer de ce truc? Aidez-moi! Vite, regarde dans l'hélico. Tu vas peut-être repérer quelques indices. Il y a le logo Physique Parfait sur le blouson du pilote. Il vaut mieux avertir Jerry. Alors, les filles, comment trouvez-vous New York? On vous dira ça quand on aura fait du tourisme, on vient d'enlever Clover. Oh non, ça remet ça. C'est la deuxième fois ce mois-ci. Jerry, est-ce que vous avez des renseignements sur l'agence Physique Parfait? Voyons, apparemment, sa directrice est un ex-mannequin. Elle s'appelle Tilda Tate. Et le siège social est à Sydney, en Australie. Hmm.
Bonjour, nous sommes journalistes au magazine Tendance Actuelle et nous voudrions voir Tuesday Tate. Oh. Vous n'avez pas de rendez-vous, je regrette, mais vous allez devoir quitter les lieux. J'ai une drôle d'impression. Quelque chose chez cette femme m'était vraiment familier. Et moi, m'était vraiment désagréable. Elle est odieuse. Quoi qu'il en soit, il va nous falloir trouver un autre moyen d'entrer dans l'agence. Il n'y a pas à dire, rien ne vaut un bon accessoire. Oh. Ça ressemble plus à une clinique sophistiquée qu'à une agence de mannequins. Oh. Allons regarder dans cette pièce. Toutes les deux sont de gazelle? Si c'est le cas, on peut dire qu'elle a une double personnalité. J'ai l'explication. Liste des donneuses au profit de gazelle. Stacy, Aimée, Anna, Kelly, Gretchen. Ici Sam, j'écoute. Bonjour les filles, j'ai du nouveau pour vous. L'oreille que vous m'avez envoyée appartient à l'un des mannequins enlevés la semaine dernière. Nous l'avons identifiée, elle s'appelle Gretchen. Sam, tu viens juste de dire son nom. Il y a quelques secondes, il est sur la liste des donneuses. La liste des donneuses? Non, arrête, je sais à quoi tu penses, mais c'est impossible, oublie ça. Puis-je vous aider, mesdemoiselles? Oui, certainement. Nous sommes journalistes au magazine Tendance Actuelle et nous sommes venus vous demander de... Nous accorder une interview. Je vous l'accorde, mais soyez brève, je dois partir recruter des mannequins en Nouvelle-Zélande. Donc, j'ai entendu dire que vous-même, vous avez été mannequin. Pour quelle raison avez-vous arrêté? Je me suis blessée à la jambe il y a 2 ans au cours d'une séance photo qui avait pour thème le cirque. J'étais censée jouer le rôle d'une dompteuse. En fait, c'est le lion qui m'a domptée. Admirez le résultat. Ah, vous vous êtes reconvertie. Parlez-nous de votre agence. Comment expliquez-vous sa rapide et soudaine notoriété? Tuesday à l'appareil. Oh, oui, oui, je vois. Ça ne vous ennuie pas de passer dans la salle d'attente pendant que je prends cet appel? Non, oh, non, pas du tout. Pas de problème. Ces deux-là ne me reviennent pas, je m'en méfie. Si tu as un doute, il vaut mieux les éliminer. Je crois que notre interview va être encore plus brève que prévu. Il faut retrouver Clover avant qu'il soit trop tard. Attrapez-les. Il faut inspecter la zone interdite qu'on a vue tout à l'heure. Elle donnait dans le hall. On doit plus être très loin. Oh, Clover! Tu fais quoi, plat ventre, dans ce casier? L'agence physique parfaite vole des corps humains. C'est comme ça qu'ils ont fabriqué Gazelle, avec des pièces détachées. Et maintenant, il y en a une qui se balade avec mes jambes parfaites. On va mettre un terme à cette mauvaise plaisanterie. Je pense qu'elle peut durer encore longtemps. Nous n'allons pas prendre le risque de vous laisser filer. Vous iriez raconter notre secret au monde entier. Pourquoi vous faites ça? À quoi ça vous sert? C'est d'une simplicité enfantine. Mon objectif est de créer une troupe de mannequins parfaits afin de régner en maîtresse absolue sur l'industrie qui a anéanti ma carrière. Pourquoi vous vous êtes pas contenté de voler une seule jambe? Ça aurait tout de même causé moins de problèmes. Bien évidemment, oui, mais j'en aurais éprouvé beaucoup moins de plaisir. Une vengeance diabolique, c'est plus amusant. Votre plan est condamné à l'échec. Je parie que cette petite démonstration vous fera immédiatement changer d'avis, très cher. Hé, hey, ce sont mes jambes, voleuses! Rectification, mademoiselle. C'était vos jambes. Maintenant, elles appartiennent à l'agence physique parfaite, tout comme certains attributs de vos amis dans un instant. Préparez-vous à être modélisée, jeune fille. Sur mon sort.
Étant donné le grand nombre de donneuses intéressantes que je compte recruter lors de la convention internationale d'Auckland, vous m'êtes inutile, je vais me débarrasser de vous. Vous allez vous débarrasser de nous? Sans hésiter. Vous allez participer à des festivités aquatiques. Un banc de requins affamés vous attend en plein cœur de l'océan. Pour déjeuner. Vous, je sais pas, mais moi, je me sens pas du tout prête à satisfaire l'appétit d'un requin. Moi non plus, Alex. J'ai pas envie d'en arriver là, même si mes jambes ressemblent maintenant à deux énormes saucisses. Fais-moi confiance, on va sortir de là et on a rien de temps. D'accord, je te fais confiance, mais promets-moi de ne plus sourire tant que tu porteras ces éblouissantes bagues métalliques. Qu'est-ce que c'est? Maintenant que vous avez assommé le pilote, qui on va mettre aux commandes de l'avion? Pourquoi c'est moi qui pilote? C'est pas juste. Eh ben parce que t'es notre meilleure chance de réussite. Les pédales sont très dures et t'es celle qui a le plus de force dans les jambes. Ah oui, d'accord. Votre peau a une texture extraordinaire. Elle nous sera d'une grande utilité. Quant à ses orteils, je n'en ai jamais vu d'aussi mignon. Un pur produit physique parfait. Je savais qu'ici la récolte serait bonne. Entrez, jeune fille, entrez. Donnez-vous la peine de prendre place dans notre modélisateur. Nous allons prendre de magnifiques photos. N'oubliez pas de sourire. Ça devrait largement suffire. Encore quelques minutes de patience et nous aurons toute une armée de top modèles au physique parfait. Le processus de modélisation est rapide et l'ennui, c'est que lorsqu'il est à son terme, c'est irréversible. C'est une nouvelle fonction que je viens de lui ajouter. Qu'est-ce que tu fais, ça? J'essaie de localiser le cristal avec le scanner digital du com poudrier. Ça y est, je l'ai repéré. Allons délivrer les donneuses. Hé, hey, qu'est-ce qu'on fait de ces deux-là? Ne vous inquiétez pas, nous allons en prendre soin. Tu veux vraiment laisser tomber le concours? Tu vas pas le regretter? Absolument pas. Après avoir mûrement réfléchi, j'ai réalisé que j'en avais par-dessus la tête. Des concours de beauté, des mannequins. Oh, je suis vaccinée, j'en ai assez de cette ambiance malsaine. Et puis de toute façon, à quoi ça me servirait? Depuis que j'ai récupéré mes jambes, je sais que j'ai un physique idéal. Alors, j'ai pas besoin de l'avis d'un jury, vous êtes d'accord? J'ai toujours su que tu étais belle et intelligente. Dommage que vous ayez renoncé, parce que vous aviez gagné.
Mais comme vous avez officiellement annulé votre candidature, je vais devoir remettre le chèque de 25 000 $ et le coupé sport flambant neuf à une autre. Celle qui repartira en volant de ce bolide avec le chèque en poche est Mandy. Je suis si heureuse. Merci beaucoup à toutes et à tous. 25 000 $ Hé, attendez, j'ai dit ça pour rien. C'est une petite blague, une petite plaisanterie. Je veux être Miss Milkshake. Et voilà. Tout à coup, elle n'a plus l'air de trouver malsaine l'ambiance de ces concours.